cette chanson, je l'ai écrite en hommage à la Motown, qui a commencé à faire jouer les Noirs et les Blancs sur scène ensemble et à faire apprécier la musique des Noirs aux Blancs aux États-Unis dans les années 60. Valley is so low,
Albert et Thomas, qui sont les responsables de l'association qui a organisé cette manifestation éminemment anarchiste. Alors, le premier à parler, ça va être Albert. Albert, pourquoi tu as organisé ça ? Eh bien, on a organisé ça, c'est l'association Ménilmontant. Alors, c'est une association où on trouve des habitants du 20e, donc des musiciens, des travailleurs, des salariés, des artistes, enfin un peu tout le monde, et on se prend en charge pour faire vivre à travers la culture, la musique. Donc voilà, donc c'est une association qui, au travers de la musique, essaye de promouvoir le bien vivre ensemble dans le quartier du 20e. Donc nous, notre passion, c'est la musique, le cinéma, la culture, la peinture, donc et puis aussi les filles. Ça va. Je laisse la parole à Thomas. Et toi, qu'est-ce que tu fous dans cette association, toi, le guitariste punk? Je bois du vin rouge, il est très bon. Toi, t'es le guitariste de Bernadette Soubirous, ses apparitions. Ça en fait du monde. Bon, coupé. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'association? Donc, l'association, comme dit... Non, j'ai rien à dire. Pourquoi t'as rien à dire?
Heureusement que c'est pas en direct, hein. La vache. Mais, qu'est-ce que tu fais pourquoi tu es engagé là-dedans? Pourquoi je suis engagé dans l'association? En fait, c'est ça, la question est un peu... Oui, tu tiens la bolle. C'est dans ce sens-là, c'est plutôt comme ça. Voilà. Avec Albert, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Notamment, on faisait le printemps de Ménilmontant, le festival dans les années 2010, par là, 2009. Et puis, on a monté le grand orchestre de Ménilmontant. On a fait quelques vidéos, quelques morceaux avec toute la bande de musiciens, amis et tout ça. Et puis, je m'occupe aussi beaucoup des sites internet de l'association. Les canotiers et le site de Ménilmontant, l'association. Voilà. Et lui, il est le show. Et puis Bella Ciao, ça c'est autre chose, mais voilà. C'est à côté. C'est à côté, c'est la porte à côté. Toi, Béral, tu nous as écrit un bouquin, il paraît. Y a un bouquin, c'est mon deuxième bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez l'Échappée Belle Édition. Et puis ce sont surtout des nouvelles de voyage. Je suis parti pendant 4 ans autour du monde, donc j'en ai profité pour écrire des nouvelles parce que je voyageais avec ma guitare et que les chansons, c'était un format qui n'était plus assez adapté. Pour dire tout ce que j'avais envie d'exprimer. Donc, à la fin du livre, en dernière de couve, vous pourrez y trouver un CD. Mais pour en revenir à la manifestation qu'on organise, c'est un gala de soutien. Et donc on essaie de se prendre en charge, soutien à l'association Ménilmontant qui organise le Festival des Canotiers. Parce que le Festival des Canotiers, les amis, il faut savoir que c'est un festival qui est complètement gratuit. C'est du cinéma, du long métrage, pendant une semaine qui a lieu au mois de juin. Et on n'a pas beaucoup de subventions. Quels sont les buts de cette association? Quels sont les buts? Les buts, c'est promouvoir la culture, c'est essayer de bien vivre ensemble dans le quartier, et puis c'est transmettre aussi le lien intergénérationnel, parce qu'on parle culturel. Voilà, parce qu'on a passé aussi bien des premiers films du genre Casque d'or avec des Fréhel, il y a eu du Piaf, il y a eu Mouloudji, il y a eu des films de 1936 avec Maurice Chevalier. Donc c'est du cinéma, de la chanson. C'est un package. Le Festival des Canotiers qui présente donc de 20h30 à 22h, donc c'est au mois de juin, hein, donc de 20h30 à 22h, les gens peuvent assister à un concert, et de 22h30 à minuit, donc une heure et demie de film à peu près, c'est un long métrage. Et à chaque fois, on met à l'honneur un réalisateur. Donc on a eu Jean-Pierre Mocky, Léo Carax, mais ça peut être aussi un acteur. Donc on a eu Louis Régaud, Denis Lavant, là cette année c'était Fellag, et puis pour les 10 ans l'année prochaine on fera un spécial Ménilmontant. On n'a pas encore décidé. Pas avec Boris Chevalier. Ah bah ça non. Voilà. Mais enfin, un best-of. Hein. À côté de ça. Et le Festival des Canotiers, c'est un hommage à Place Maurice Chevalier, donc c'est un hommage à Maurice Chevalier. Voilà. Je voudrais que tu m'expliques un peu l'historique de cette association, Tom. Tu parles du Festival des Canotiers. Oui. Hein, donc c'était l'association des commerçants de Ménilmontant, qui s'appelle la Canotier, qui organisait ce festival. Et puis au fil des années, on s'est dit qu'il fallait un peu élargir et sortir de ce truc commercial ou voilà, entre guillemets, pour faire quelque chose de plus citoyen. Voilà. Donc on a monté une association Ménilmontant, dans son temps, et qui a repris l'organisation de ce festival. Voilà. Et en plus on a rajouté ce gala et on rajoute d'autres événements au fil de l'année. Quoi. Ces phrases sont dignes de ta guitare. J'ai pas compris. Je dis, ces phrases sont dignes de ta guitare. Non, c'est gentil. Ça veut dire que c'est n'importe quoi, comme d'hab. Ah non, ta guitare, c'est pas n'importe quoi. Santé, chers auditeurs, téléspectateurs. Attends, ta guitare, elle a crié la liberté, oui, plein de fois. Ouais. Qu'est-ce que c'est pris dans la gueule? Thomas est ancien guitariste de Parabellum. Et maintenant, il relance Bernadette Soubirous, ses apparitions. Mais on va pas le bénir. L'année prochaine, il sera là. Merci. Je profite du petit temps pendant lequel Cyril Hada se prépare pour vous donner 2-3 informations que j'ai oublié d'omettre. De toute façon, j'en ai oublié plein et puis j'ai un peu la soirée pour le faire. Mais juste vous dire que nous sommes l'association Ménilmontant quand même. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles. Voilà. Et vous dire aussi que le parrain de la soirée, excusez-nous du peu, c'est Christian Olivier. Voilà.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chanteur des Tetraed, excusez-nous du peu. Voilà. Allez, tout de suite, Cyril Hada. Je vais vous faire deux chansons, une compo, et je vais tenter une reprise de Moustaki après. La première chanson s'intitule L'Autolar. Un jour ou l'autre, je filerai en douce. Tu verras, je m'envolerai. Parle-toi demain, je finirai ma course dans tes bras. Je t'emmènerai avec moi les chiens, les gardiens à nos trousses. On l'y s'aimera. On s'en ira, tous les deux, sur un nuage, on oublie peu à peu le parloir et le froid. Les années passent et je repense à toi. Je bondirai par-delà les murailles, dans ton lit. Je me faufilerai sans un bruit, je n'ai que faire de la mitraille. Tu sais bien, je ne suis pas un assassin, pourtant je dois purger ma peine dans une prison du Montana. Moi je suis là et j'attends, seul dans ma cage, un jugement décent, un nouvel alibi. Messieurs les jurés, je vous en supplie. Je suis étranger à l'affaire. J'étais chez moi seul, endormi. Il y eut soudain ce coup de tonnerre, et puis du sang sur mon tapis, dans ma cellule du Montana. J'entends la mort à quelques pas de moi. On s'en ira tous les deux sur un nuage. On oublie peu à peu le parloir et le froid. Les années passent et je repense à toi. Moi je suis là et j'attends, seul dans ma cage, un jugement décent, un nouvel alibi. Monsieur l'avocat, vous m'aviez promis. Un jour ou l'autre, je filerai en douce. Liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à garder les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Liberté, devant ta volonté, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai quitté mon pays, perdu tous mes amis, pour gagner ta confiance. Liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure.
Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. La la la, la la la. Liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour, Isabelle Jolière. Oh là là. Merci beaucoup. Joanne Rich. Joanne Rich, vous l'avez déjà vu plein de fois. Il a joué avec des gens connus, mais il a aussi ses rêves. Il va nous en parler. Salut Esteban. Tu me disais quoi déjà? Je ne sais plus. Que tu avais des rêves. Ah, des rêves? Ben, des rêves, c'est toujours de jouer pour le public, pour les gens, de transmettre mon amour pour la musique au public. Après ça, le rêve... Pourquoi tu es venu sur ce festival de la chanson engagée? Ménilmontant, les gens de Ménilmontant... J'y suis attaché. Ça fait longtemps que je joue ici avec mon groupe Belle Tunaire. Ça fait 9 ans que je joue une fois par mois dans le secteur. T'as joué à la Barricaderie? Non, au Loup Pascalou. T'as joué à la Mergoterie? Oui, aussi. Ben, c'est des... tout le monde se connaît. Les gens, les citoyens, l'ambiance, la chaleur, tout ce qu'engrènent aussi les gens de Ménilmontant. Toi, tu joues l'accordéon? Oui. Mais tu fais d'autres choses aussi. Des comédiens, par exemple? Oh, un peu, non. En tout cas, je suis sur scène, donc je joue le jeu. Mais je n'ai pas de réplique de comédien, non, sûrement pas. Tu chantes aussi? Je ne chante pas, non. Je m'accompagne, je fais des vocalises, des petits cris pour... Enfin, mais non, je ne chante pas. Mieux c'est que c'est toi qui as composé pas mal de morceaux quand même. Ah non. On a tous arrangé les compositions de Christophe. C'est vraiment un travail de nous quatre. Il n'y a pas de composition de plus. C'était un super projet, une superbe aventure, un bel album au bout du compte aussi. Et voilà, j'ai été super content de vivre ça, bien sûr. Qu'est-ce que tu as comme projet d'avenir? Projet d'avenir, Belle Tunaire, toujours. On va faire un quatrième album. On peut le trouver où? Sur Internet? Là, il est encore en... Je suis en phase de composition. Je compose pour l'album, donc il faut de l'inspiration. Pour vous joindre, comment on fait? Pour nous joindre, c'est belletunaire.com. On a notre site, bien sûr, Facebook, évidemment. Belle Tunaire, toujours. Belle Tunaire. Mes projets, toujours de jouer. Là, on commence un projet avec Raymond Doumbé, qui est ici présent, excellent bassiste. Et on va faire un trio avec des compos à lui, à moi. Donc là, pour 2017, Raymond, qui est aussi de Ménilmontant, qui participe aussi à tous les événements musicaux. C'est dans quel style musical où tu t'exprimes le plus agréablement? Oh, je ne sais pas s'il y a vraiment de style. Justement, j'essaie de... Tu joues de jazzman aussi? T'es rock'n'roll? Oui, t'es aussi. Après, je joue de l'accordéon. Donc, c'est un instrument qui connote ancien. Mais mon but, justement, c'est de montrer que l'accordéon, c'est un instrument universel. Et exactement, Manu Chao, qui ont... changer la couleur, la mano, tout ça. Puis voilà. Il n'y a pas que, il y a l'accordéon partout. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas vraiment de style. C'est une histoire de feeling, de senti, essayer de s'approprier un morceau ou un groove.
c'est pas toujours évident, mais aussi de jouer avec les autres, de partager, comme là ce soir, c'est aussi un accès à l'amour, mais à d'autres univers, à un plan plus large, plus de couleurs, et de jouer avec les autres, ça apporte aussi cette magie de créer. Enfin, il y a des choses qui se passent vraiment. Ce que j'ai compris, c'est que tu es un être de communication. Oui, c'est important, la communication. Après, on est toujours plus ou moins... Et un être qui aime la justice. Oui, aussi. On est toujours plus ou moins doué pour communiquer avec les mots. Après, quand on a la chance aussi de pouvoir le faire avec la musique, avec les vibrations, avec le non palpable, les choses qui se jouent sur vraiment l'hypersensibilité des choses, ça, c'est super, c'est bon. Ces vecteurs, en plus la musique, et en plus c'est un dialogue universel puisque tout le monde peut l'apprendre. Tu sais, Johan, t'as un petit côté Peter Pan. Et malgré que tu sois comme Johnny Depp, là, parce que tu me fais penser aussi à lui, t'es un pirate. Un pirate. Ah oui, non. Tu me disais un pirate. T'as aussi un côté pirate des Caraïbes. Ouais, oui. Tu regardes trop la télé, toi. Et tu l'as trouvé, ta Vanessa? Oui, je l'ai trouvé. C'est tant mieux. Qu'est-ce que tu vas... Quel morceau tu joues, là, enfin, sur lesquels? Là, ce soir, eh bien, Albert, il m'avait proposé... Enfin, j'ai proposé mes services aux gens, à Ménilmontant, aux chanteurs qui voulaient être accompagnés. Et il a pensé, Albert, à Camille Faïst. C'est qui, Albert? Albert Selem. Oui, d'accord. Il a pensé à Camille. Voilà. Oui, voilà. Et donc, avec Camille, on a interprété Clarica. Clarica, une chanson de Clarica bien méritée. Et ensuite, on a repris une chanson de Ted Red, Je chante. Et là, je vais accompagner Jean-Philippe Vautier, le chanteur de Tournée Générale, chanteur musicien. Ah ouais, c'est grand. Vosgien. Donc, c'est une réunion de Vosgiens. Tu es Vosgien, toi? Je suis Vosgien de Gérardmer dans les Vosges. Donc, c'est une grande première. On n'a jamais joué ensemble. Donc, c'était l'occasion, puisque Jean-Philippe est aussi dans le quartier de Ménilmontant, avec tous les amis. Et on va interpréter Le Chien de Léo Ferré. Ah putain, à mes oiseaux, pierres de bouche, chinelles sur les crêtes de la nuit, à mes copains du Parassé, à mes frangins de l'entremise. Ah, tu connais? Ah oui, je connais. J'adorais Léo. Mais ça va être... voilà, on n'a pas répété. Donc, de l'improvisation, des choses comme ça qui vont se passer, on ne sait pas. Éphémère, il n'y aura qu'une fois, et voilà. Ça sera comme joli d'être d'appareil. Pirates des Caraïbes. Merci, Jean. Merci, Esteban. Merci. La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais, je l'ai bien méritée. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Bon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature.
ta gueule si t'es né sous les bombes. Bah ouais, tu l'as bien mérité. T'avais qu'à tomber du bon côté de la map monde. Bah ouais, tu l'as bien mérité. Si la terre est aride, y'a qu'à trouver de la flotte. Bah ouais, un peu de nerf mon gars pour la remplir ta hotte. Bah ouais, on prend pas un bateau quand on sait pas nager. Bah non, on n'a que ce qu'on mérite alors t'as mérité. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Bon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature, c'est l'évidence. T'avais qu'à naître en France, c'est l'évidence. T'avais qu'à naître en France. Ah oui, j'y avais pas pensé. Ben tiens, c'est bien, donnons-nous les moyens, c'est l'évidence. T'avais qu'à naître en France, c'est l'évidence. C'est Joanne Rich à l'accordéon. L'opaline naissante d'une nuit déjà morte, offerte au passé. Les nuits balayeront les erreurs entassées dans le bain de nos ventres. À partir de maintenant, je chante. Le brûlant s'est levé et frappe à la porte de nos vies en chantier. Les éboueurs ébourront nos collectes classées, des trésors qu'on ignore. À partir de maintenant, je chante. À midi, c'est le sandwich aux terrasses des cafés, sur les champs épuisés. Puis plus tard, c'est déjà une histoire encombrée dans le creux de nos rêves. À partir de maintenant, je chante. À 6h, le coiffeur taillera la colline. C'est du vent de gagner. On
boira sans scrupule, pendu au crépuscule. On attend les fantômes à partir de maintenant. Je chante. Les lumières de la ville caressent les phobies de nos ombres esselées. Le métropolitain oubliera, c'est certain. Les cloportes à partir de maintenant. Je chante. Maintenant, on quittera le parking des frontières tracées. Dans le vent qui nous saoule, où l'on aperçoit les vagues qui nous roulent, et l'on s'endormira. Comme les autres, à partir de maintenant, je chante. Joanne Rich, Camille Feist. À mes oiseaux, piaillants, debout, chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutil et leurs fourreaux fleuris de trous. À mes compains du pain rassis, à mes frangins de l'entrebise, à ceux qui gerçaient leurs chemises au givre des pernaux minuit. À l'araignée, la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, à Bec d'Azur, du pif content qui crêchait côté de Sancerre, sur les midnights, à moitié vert chez un bistre de ses clients, au spécialiste de l'Ashkoumoun qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer, la compagnie Blondin et Clou. Au pané qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nefs à ceux pour qui, dessous de trèfle, ça valait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller. Maintenant que je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, voilà l'une qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton avec un ciseau à surtaxe, progressivement contumax.
du bel, à tout va la chanson et n'achète plus que du vent encore. Que la nuit venue, y a ta cavale dans la rue qui hennit en te klaxonnant le droit, la loi, la foi et toi. Et une éponge de vin sur ton Beaujolais qui fait la mûre et ta pépé qui fait le toit. Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton croco ridé, 60 berges dans les flancs et des chiens qui mordent dedans le poteau rif de l'amitié. Un poète, ça sent des pieds, on lave pas la poésie, ça se défenestre et ça crie aux gens perdus, des mots fériés, nouveaux, des mots comme le nouveau monde, des mots venus de l'autre côté de la rive, des mots tranquilles comme mon chien Guido, des mots chargés des lèvres, constellés dans le dictionnaire des constellations de mots. Et c'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi, et chargés de mettre des perruques aux vieilles bouffiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystère et non de péché tabou, de vertu, des draps cousus dans le salas et dans l'objet de la policière, voyance ou voyeurie. Nous mettrons de longs bonnets aux prêtres de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'Abbé Retairot, Monsieur l'Abbé Pépé Fricotti Fricota. Nous ferons des prières inversées. Nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bande à cul, sans rien qui puisse remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne. Et des maudits querelles du qu'en diront-ils, mais je fais quand même mes cochons stés en toute quiétude, sous prétexte que l'on m'a venu, sous prétexte que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies, alors que ces enfants dans les rues sont tout seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané. Alors que ces enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité, je parle pendant 10 siècles, et je m'en veux. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez, ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution, yes. I am an immense provocateur, désarmé des mots, c'est pareil, ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs courts, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle, mettez-vous bien dans la cambrure, c'est râper vos trucs et manigances, vos démocraties. Oui, il n'est même plus question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous a été collée par la jurisprudence. C'est râpé, messieurs de la romance. Nous, nous sommes pour un langage auquel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens, et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent, et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté, et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous certaines chiennes, parce qu'elles sont faites pour ça. Et pour nous, nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches, comme des mots noirs et blancs noirs, comme la terreur que vous assumez, blanc comme la virginité que nous assumons. Nous sommes les chiens, et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent, ils se décoliérisent et posent leur os comme on pose sa cigarette lorsqu'on a quelque chose d'urgent à faire. Même, et de préférence, si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien. Thank you.
alors que vous assumerez blanc comme la virginité que nous assumons. Monsieur Johann Rich à l'accordéon. Camarades et complices vosgiens, faut pas se frotter trop à deux vosgiens, sinon on sent le sapin vite fait. Alors je remercie l'association de Ménilmontant de faire cette soirée autour de la chanson engagée. Je crois qu'ils ont eu une bonne idée, puisqu'en fait, en tout cas moi c'est ce que les gens me disent, c'est qu'on a plus besoin que jamais de chansons qui parlent et pas trop de romance, l'air n'est pas trop à ça, voyez-vous. Alors, évidemment, que ce genre de chanson, elle peut pas passer à la télévision, on peut pas vendre des armes et en même temps se faire le chantre de... du pacifisme, de la paix. Cette chanson m'est venue suite aux attentats du Bataclan qui m'a profondément meurtri et j'avais cet air de Boris Vian, le déserteur en tête qui m'est venu. Je me suis dit peut-être que c'est peut-être qu'il faut l'utiliser ce déserteur et j'ai tenté une réécriture. Il y avait de quoi, je crois, il y avait moyen de le remettre au goût du jour. Donc c'est mon déserteur. Je remercie Patrick Abrial de me prêter sa guitare. C'est... Alors, attendez, je prends quelque chose. Et le Patrick, lui, il n'a pas de sangle, il joue assis. Sinon, on peut y aller avec la force des bras aussi. Hein. Ah, merci. Merci, Albert Selem. Donc, le déserteur, mon déserteur. Monsieur le Président, à présent, c'est mon tour, entre autres troubadours, de vous faire un serment. Je viens de refuser le drapeau d'allégeance qu'au soir de la violence, vous m'avez suggéré. Monsieur le Président, je ne peux pas me faire à vos idées guerrières et je vais désertant. Pas question d'accepter la funeste entreprise sur l'autel de la crise qui vous fait prospérer. Depuis que je suis né, j'ai vu trimer mon père, j'ai vu partir ma mère, s'éteindre leur foyer. Ma mère a tant de peine qu'elle vit devant sa tombe en écoutant vos bombes siffler sur nos antennes. Monsieur le Président, je ne suis pas français s'il faut faire un procès à ce qui n'est pas blanc. Ma vie est un radeau, toujours entre deux rives, au milieu des eaux vives,
ne flotte aucun drapeau. Monsieur le Président, pardonnez mon offense, mais je n'aime la France que dans sa vérité, la poésie des uns, la science des autres, l'histoire qui est la nôtre me conduit à penser que l'amour est un hymne au-delà des frontières qui se débarrièrent entre l'homme et la paix. Monsieur le Président, prévenez vos gendarmes que nous avons pour arme notre liberté. Alors quand on a cherché des chanteurs qui pouvaient correspondre au thème un peu de la soirée, ben on a pensé forcément à Nicolas Joseph. Il va vous chanter « Ça te va » de Léo Ferré et l'affiche rouge. Rouge. Va suivre Héloïse Roth. Alors qu'il m'a chargé de vous passer un message, s'il y a des producteurs ici ce soir, elle a fait son premier album en autoproduction. Le second, Je suis en vie, ben, elle aimerait bien trouver un autre producteur qu'elle-même. Voilà. Donc s'il y a des amateurs. Elle est accompagnée de Nino Ménard, qui est arrivé directement du Québec pour nous, s'il vous plaît. Elle va nous chanter Les oiseaux de passage de Brassens, écrit par Jean Richepin, qui a 20 ans a écrit des chansons anarchistes avant d'habiter dans le 16e, de taper sur Dreyfus et tout ça, mais enfin, il a eu une jeunesse plutôt sympathique, une vieillesse un peu plus compliquée. Mais on lui en veut pas, il a écrit à 25 ans celle-là. Et elle va nous chanter une composition. Ah si. Mourir debout. Bah merde. Et on finira par Claudio Zaretti, Est-ce ainsi que les hommes vivent? Je ne vous dis pas l'auteur, ça serait une insulte. Et Nun Camas, une compo. Allez, c'est parti. Bonjour, vous allez bien? On va mettre un petit micro. Je vais vous chanter deux chansons de Ferré, donc moi. C'est la première, c'est une chanson, c'est un peu la plus belle chanson d'amour du monde, moi je trouve. C'est une chanson qu'il a écrite pour sa seconde femme, avec qui ça s'est un peu mal terminé. Et donc, il ne l'a jamais rechantée par la suite. Et voilà, donc moi, je vais la chanter. Je pense que c'est le genre de chanson... parce que déjà, moi, rien qu'en la chantant sans l'avoir écrite, ça peut emballer pas mal. Mais alors, je pense que ça y allait, hein, à l'époque. Voilà. On est bon ou pas? Ça y est, ça. Pas trop, un peu plus loin. Voilà, là, très bien. Tu ne vas jamais aux collections. Tu préfères mettre tes sous à plat pour t'acheter une belle maison drapée par les Dior du gothique. Et comme on va pas cul tout nu, puis que d'abord, moi, je voudrais pas. Tu tapes chez le couturier ton cru qu'à des harnais démocratiques. Ça te va? Cette robe de 10 sacs, tes cheveux en vrac, ce rien qui t'habille, ça te va? Tes souliers pointus, même s'ils sont fichus, ça flatte tes gambilles, ça te va? Ce sac en lézard qui fait le lézard sous ses airs plastiques, ça te va? Tes mains toutes comme ça, par ce je ne sais quoi,
qui fait les mères poules. Tu ne vas jamais chez Rubinstein, qui a de la frimousse sans comprimé, qui pour de plomb vous met en scène la gueule des dames pour la parade. Et quand tu sors chez les snobards, que je te demande si t'es paré, tu me dis avec ton air anard, moi j'ai le soleil sur la façade. Ça te va? Cette gueule de diron, malgré ce que diront ces comptes photographes, ça te va? Ce dos qui descend sous l'œil indécent des gars qui te gaffent, ça te va? Des carreaux mouillés quand ils ont regardé la joie qui se défoule, ça te va? Cette air sans façon dont t'as pris mon nom pour vivre de musique. Tu ne vas jamais aux collections, tu préfères coudre un peu de bonheur dans notre carré et faire ton rond loin des ballots et de leur système. T'es là jusqu'à la fin des temps à m'écrire le courrier du cœur. Tu me lâches tout juste pour que j'aie le temps de faire une chanson et de dire que je t'aime. Ça me va. Ta prison dorée, ta bouche adorée en guise de serrure, ça me va. Tes plats mijotés tellement qu'on dirait manger de la luxure, ça me va. Ton air bien heureux quand les amoureux qui restent fidèles, ça me va. Qu'on puisse dire un jour, et quant à l'amour, il n'a aimé qu'elle. Merci beaucoup. Et maintenant, une autre chanson un peu comique comme celle-là. Mais là, ils s'y sont mis à deux pour vraiment mettre l'ambiance. Il y a Aragon et Ferré. Donc c'est toujours un cocktail assez détonnant en matière de bonne poilade, comme on aime, hein. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuire sute menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. Cherchez un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français, de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos morts pour la France. Les morts de matin, on était différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je pars sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la lumière et la vie, adieu le vent. Marie-toi, sois heureuse, pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en Erevan. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle, que le fleur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, mon amour, mon orpheline.
je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Il était 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères. Mon père habite place de la République. Et pendant la nuit debout, je suis allée place de la République. Et ça s'agitait partout. Et il y avait un homme qui avait l'air de là depuis longtemps, allongé au sol, place de la République. Et j'avais envie de faire une chanson sur lui. Parce que depuis, ce monsieur que j'ai vu allongé au sol n'est plus. Alors, après nuit debout, mourir debout. Ni debout, ni assis, plus marcher, plus dormir. Mal debout, mal mâcheux, peut lancer, peut partir. Allongé au milieu de vous, rêver de mourir debout. Ni maître, ni Dieu, ni raison, n'être qu'un invisible vagabond. Avoir mal et froid pour de bon, repenser ma révolution, allongé au milieu de vous, rêver de mourir debout. Dans les rues depuis des siècles, sur vos pavés, sous vos ponts, sous vos fenêtres, on aimerait bien disparaître, être au passé pour fêter l'être, allongé au milieu de vous, rêver de mourir debout. Debout, assis, marcher, courir, debout, assis, se lever et partir, mourir au milieu de vous. La nuit, mourir au milieu de vous, pendant la nuit debout. Merci. Bourgeois, qu'avril bourgeonne, que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un.
printemps. Ce dindon a toujours muni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette genoie en pleurs. C'est là que je suis née. Je meurs près de ma mère et je fais mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire conque. Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canal n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou bien d'en avoir plus, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sous les lèvres, et loin les songes vains, l'un des soucis cuisants possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti 10 ans. Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller lentement en grand vol, en forme de triangle, arrivent, planent, passent. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir les mène par-dessus mont et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait d'éclater vos poumons. Regardez-les avant atteindre sa chigemère, plus d'un aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Le bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. De voir passer les gueux. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Merci Nino Ménard à guitare qui vient du Québec pour moi. Bonsoir, je m'appelle Claudio Zaretti. Le premier morceau, ça sera une chanson de Léo Ferré Aragon. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. Mais à quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur changeant, cœur léger, cœur lourd, le temps de rêver bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais ni amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tous en dos de pôle et d'épaule, la pièce était elle ou non drôle, moi j'y suis donné mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, parmi les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel, quand je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du piano là.
ainsi que des hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches. Et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait un cœur d'hirondelle et des yeux de faïence. Elle travaillait avec vaillance pour un acteur de Mayence qui n'en est jamais, jamais revenu. Et c'est ainsi que les âmes vivent et leurs baisers au loin les suivent. Il y a d'autres soldats en ville, la nuit remonte des civils, remets du rimmel à tes cils, là tu t'en iras bientôt. Ce fut une avrée, lave 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plonge à son couteau. Et ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus. Merci, Jean-Louis, merci bien. Merci bien. Belle chanson de Ferré Aragon. J'ai loupé quelques mots, mais bon. Il y en a plus que dans mes chansons, hein. Il y a plus de mots que dans mes chansons. Là, je vais vous faire une de mes chansons. Je l'ai composée parce que j'ai accompagné une personne qui essayait de mettre un peu d'ordre dans son passé. Ça s'appelle Nunca Más. Exilé en France, envie de revoir le pays de l'enfance, d'effacer le tableau noir. Nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Que j'ai touché le sol, que j'avais tant et tant et tant et tant aimé, de ma mère, les dernières paroles semblent murmurer. Nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Adentro. Et disparus les compagnons
dans le coffre d'une Ford Falcon. Pour un mot, une opinion, auquel silence, malgré les klaxons, nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Efforts, car le verre est peut-être encore dans le fruit, et que nos voix s'élèvent comme le condor, et qu'elles chantent toutes unies. Ah, nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Ah, nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Oh, nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Oh, nunca más, nunca más, nunca más, plus jamais ça. Alors tout de suite, Pauline Dran qui va vous chanter Les Cœurs Purs de Jean-René Cossimon. Et une composition, s'il vous plaît, I See Beauty. Beauty, Beauty, voilà. Vous la retrouverez, si vous voulez, le 10 janvier au Divan du Monde et le 18 janvier à la Menuiserie, à Pantin. Alors les deux suivants, ils me l'ont fait un peu à l'envers, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, quand on pense poète, on pense, Arthur Rimbaud, il écrit bien, mais c'est une tête de con. Et ben, celui qui arrive, c'est un peu la même. C'est un caractère de cochon, mais c'est une super plume. Il s'appelle Philippe Guillard. Et il va vous chanter Aux armes, etc. de Gainsbourg, s'il vous plaît. Hein, on va faire un petit peu de reggae ce soir. Et La Baleine Bleue de Léo Ferré. Il sera accompagné de Steady Jane. Steady Jane, on la connaît parce qu'elle fait des... Elle fait des improvisations musicales à l'Abracadabar sur des films muets. Voilà, les derniers mercredis du mois, vous pourrez aller l'écouter là-bas. Et ensuite, eh ben, ça sera Steady Jane qui chantera, mais accompagnée par Philippe Guillard, la tête de con de tout à l'heure, dont je vous ai parlé, que vous allez reconnaître, parce que je crois que sur les trois, c'est le seul qui a une vraie tête de con, en fait. Voilà, Philippe Guillard. Il est connu pour ça dans tout le quartier, il a un public de fou. Voilà. Il a oublié de l'appeler ce soir, mais c'est pas grave. Mais tout de suite... Pauline Durand, Les Cœurs Purs de Dran, Les Cœurs Purs de Jean-René Cossimon. Bonsoir. Ils ne sont pas encore amis des notaires et des notables. Ils ne sont pas encore admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis comme papa le fut toujours. Ils ne sont pas encore salis par les combines au jour le jour. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, les cœurs purs. Ils ne sont pas encore rusés,
ni blasés d'être un peu bohème. Ils ne sont pas encore usés par le métro des matins bleus. Ils ne sont pas encore conscrits, bien qu'ils soient souvent engagés. Ils ne sont pas encore inscrits, ni au chômage, ni au congé. Et on leur dit que ça viendra. Et bien sûr, ils ne le croient pas, les cœurs purs. Cœur pur. Ils ne sont pas encore lassés d'écouter chanter leur idole. Ils ne sont pas encore blessés par le temps qui tend nous désole. Ils chantent des sons sur un banc. Ils n'ont pas honte de la rue. Ils ne sont pas encore perdants, ils ne sont pas encore perdus, mais on leur dit que ça viendra. Bien sûr, ils ne le croient pas, les cœurs purs, les cœurs purs. On leur dit que ça viendra, mais on leur dit que ça viendra, mais on leur dit que ça viendra, mais on leur dit que ça viendra, les cœurs purs, les cœurs purs, les cœurs purs, les cœurs purs. Et pour rester dans le thème des cœurs purs, s'il en reste, je vais chanter une chanson que j'ai écrite à partir d'un poème de Karen Dalton, que certains connaissent peut-être, qui est une grande chanteuse folk américaine. Et j'ai découvert, grâce à un livre, des poèmes inédits, qui sont absolument magnifiques, dont celui-ci qui s'appelle « I See Beauty ». Et voilà, je vois la beauté. C'est ça que ça veut dire, et puis je pense que c'est aussi une forme d'engagement de continuer à voir la beauté. Voilà, j'ai des disques en vente chez mon ami Daniel de La Passerelle. Merci beaucoup à l'association, à Albert et à vous, et bonne journée. That is not touched. I see love that is not felt. I see truth that is not spoken. Someday it all shall return. I see wisdom that is ignored. I see legends that are not lived. I see grace that is not wanted. Someday this world will learn. That is not spoken. Someday it all shall return. I see wisdom that is ignored. I see legends that are not lived.
grace that is not wanted. Some that this world will love, some that this world will love. Merci. Eh bien, rebonjour à tous, rebonsoir, merci Pauline, juste avant. Vous aurez l'occasion, là maintenant, bientôt, de chanter, de fredonner, voire plus, avec nous, puisque vous verrez que la première chanson, le refrain en est très facile et que vous le connaissez sans doute, et que la seconde, la troisième chanson, ce sera le temps des cerises que vous êtes appelés à chanter avec nous, si vous en avez envie. Donc ceux qui voient bien, je vais vous dispenser quelques feuilles pendant qu'il y a la balance qui se fait, voilà. 1, 2, ok. Alors vous allez pouvoir chanter, j'espère, sur cette chanson que tout le monde connaît, au refrain dans un premier temps. Merci à vous. Je vous présente aussi, alors Steely Jen, Delphine du groupe La Bestiole qui va jouer après. Allez-y, allez-y, allez-y. Et Delphine qui se greffe à nous. Comme ça, à l'arrache, on s'est rencontrés là dans le coin, et puis elle est là sur cette chanson. Voilà, donc on peut l'applaudir bien fort. Voilà. Ceci dit, c'est pour nous aussi la première. Hein. Ce soir, c'est la première pour nous trois, en fait. Voilà, bref. C'est parti. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous. De la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Entendez-vous dans nos campagnes mugir les féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras. Égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes. Amour sacré de la patrie, soutien conduit de braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Nous rentrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Et les traces de leur vertu. Aux armes, aux armes, aux armes, aux armes, aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes. Rentrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons la poussière et la trace de leur vertu. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes. Aux armes. Aux armes.
Caronne Delphine. À la guitare, Steely Jane. Eh bien, cette deuxième chanson sera une chanson, moi, qui me tient... C'est même pas une chanson, c'est un texte que Steely va soutenir à la guitare. Un texte de Léo Ferré, issu d'un texte magnifique, assez peu connu de Léo Ferré, qui s'appelle L'Opéra du Pauvre. Voilà, c'est un extrait de l'Opéra du Pauvre, où c'est la nuit qui est mise en procès, et voilà, où chaque témoin de la nuit vient témoigner pour cette lumière qui luit au fond du puits. Voilà. J'étais une baleine bleue, d'un pays sous-marin bleuté, bleu, comme la nuit quand elle est bleue. Le bleu ne m'arrivait que par la voix des hommes. Moi, j'étais comme il faut, le temps de me laver, de manger, de parler avec mes copains. Notre chant vient de là-bas, où se tiennent les franges du temps qui passe et que vous mesurez, vous autres, avec les méridiens. Mais nous, le temps, on s'en fout. Il est plus grand que nous, et nous le savons bien. Il est instantané aussi. Comme le disait votre bachelar, avec qui j'avais des rendez-vous du côté de la Sorbonne, à Paris, quand Gaston allumait et tisonnait son feu du matin, qui était beaucoup plus important que sa leçon de philosophie. D'ailleurs, il me disait toujours qu'il préférait rater sa leçon plutôt que son feu. C'était pas un chasseur, bachelar. Non, pas un chasseur, un enfant. Un enfant, sans doute. Un peu comme les miens, que je porte 12 mois dans mon ventre et qui naissent tout petits. Ça dépend des chasseurs. Je pars vers le sud, avec mon amant, trouvé dans le Grand Nord. Et là, Sud-Atlantique, on se nourrit au lard de baleine, on mincit tout l'été, on baise. Oui, comme vous, avec, en plus, cette illusion que nous avons de l'aventure sous-marine, des chants dont nous nous émerveillons, nous nous entendons de loin, nous nous parlons, nous nous aimons encore. Et à l'automne, nous nous quittons. Et dans les algues inventées, nous chantons la bruyère avec Apollinaire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-toi. Nous ne nous reverrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. À l'automne, saison morte, comme les amours, je me retrouvais seul, enceinte. Et comme un fil, le lard, mon lard s'était barré. Ah ! Il le nourrit, ce petit, j'allais me taper du krill. Et comme il faut, faites-moi confiance. Selon la chance, des fois, je me faisais un bon coup de 7 à 800 kilos de krill. C'était pas dégueulasse. Alors vos trois étoiles, vous pouvez toujours vous les accrocher où je pense. Homme tergalien, homme des Seiko à quartz. Vous pouvez faire de moi baleine bleue, mesurant 18 mètres et pesant 50 tonnes. Vous pouvez inventer à partir de ma vie. Loin de vos turpitudes et de vos nucléaires prétentions. D'ailleurs, vous verrez bientôt la marine nucléaire. Et avec tous mes compliments, vous pouvez faire de moi baleine bleue, mesurant 18 mètres et pesant 50 tonnes. Vous pouvez faire de moi 22 tonnes de viscères. Et puis 9 tonnes d'os. Et puis 5 tonnes de peau. Et puis, tenez-vous bien, 2 tonnes et demie de langue. Et vous pourrez toujours dire que je ne parle pas. Si je ne parle pas encore votre langage, j'ai tout de même de quoi vous lécher le sentiment avec tout le respect que je vous dois. Maintenant, c'est à vous. Tout le monde a sa petite feuille. Après, c'est la pause et après, bah, on se retrouve. Thank you.
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Pour le temps des cerises. Non. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les mères de nos cœurs seront tous en fête. Et nous aurons la folie en tête, les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Je vais faire le mime. Mais il est bien loin le temps des cerises, quand l'on va par deux cueillir en rêvant ses pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles. Pendant de corail, on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles ailes. Souffrir un jour, quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. Le dernier, c'est pour vous. Vraiment merci à toute l'équipe, Albert Selem, tout ça, parce que c'est vraiment un gros travail, donc merci. Et dû se taire tous les textes, tu sais, je subir les embuscades, et dû le sang se dessécher, tu sais, je pousser comme méchant bois, et ne consulter aucun sage, tu sais, je prodiguer de faux sourires aux voisins, et avoir l'amour des sous. Tu sais, je suivre un mauvais troupeau et les mouches m'entourer. Tu sais, je abandonner les racines à la sécheresse et fournir le gîte aux mauvais hôtes. Tu ma poudre être trempé et la trace de mes pas se perdre. Tu le soleil d'hiver brûlé. Et sans personne à réchauffer du sel, oublier la bouillie d'herbe et me rendre au mot. Je n'oublierai pas ma génitrice, ni le chant qui m'a bercé. Je n'oublierai pas ma génitrice, ni le chant qui m'a bercé. Comme demain et comme hier, vous érigez des frontières, vous écourtez notre vue. Les bonnes mémoires à Henri connaissant vos pratiques. Les sans mémoire toujours naïfs tombent dans votre giron, vous leur mentez. Jour et nuit, vous mentez.
Votre parole d'un jour, le lendemain vous la reniez. Le visage que vous présentez ici, là-bas vous le changez. Les mensonges, les entourloupettes, on vous les connaît. La vue, la nuit, vous tendez des pièges. Le jour, vous vous en lavez les mains. Vous n'avez cœur qui peut s'attendrir, ni amour qui peut frémir. Vous semez la calamité. Et c'est nous qui récoltons, vous nous mentez. Jour et nuit, vous mentez. Celui qui vous relève, vous l'abattez. Celui qui vous libère, vous l'enterrez. Vous avez empoisonné le patio. Quand on s'y assoit, il nous ronge. Vous avez dispersé la progéniture de la mer. Plus personne n'est debout. Quand une colombe transporte un message heureux, vous lui brisez les ailes. Là où réside la fraternité, vous semez la discorde, vous leur mentez. Jour et nuit, vous mentez. Le foyer chaleureux, vous le refroidissez. Le lac limpide, vous le troublez. Quand on parle de chansons engagées, il faut aussi penser aux auteurs. Les deux textes que je viens de vous dire là sont de Ben Mohamed. Merci pour lui. Il a été pris par des obligations où il ne peut malheureusement pas venir vous les dire ce soir en Kabyle. J'ai donc pris le parti de vous lire des traductions. La première est de Mouloud Manemri et la seconde est de l'auteur. Voilà. Je suis avec deux amis à moi. Les amis, perso. Un mec que vous avez connu jadis. Il a fait une chanson qui s'appelait Marie. C'est mon copain Patrick. Oui, bonjour. Et bonjour à toutes les Maries, alors. Chanson est magnifique, Patrick. Bah oui, c'est des chansons que t'écris. C'était une chanson qui datait d'un de mes premiers amours. Voilà. Avec qui je croyais, de ce que j'explique dans la chanson, que je vivrais avec elle toute ma vie. Mais c'est toujours comme ça. Quand on est amoureux, on pense qu'on aime pour toute la vie. Voilà. Et en fait, on a toujours... tous les gens qu'on aime, en fait, ils restent. Ils restent et ils vous fabriquent. Chaque femme m'a fabriqué pour la suivante. C'est horrible ce que je dis. Ah. Patrick Abrial a disparu pendant plusieurs années, mais il n'a pas disparu. Pendant ce temps-là, il faisait de la musique de film. Oui, oui, je faisais de la musique un petit peu de film. Tu peux parler des films que tu as... De film urbain, c'est pas vraiment... Enfin, si, j'ai fait un film qui était sur la vie de Schweitzer. Et puis, j'ai fait plusieurs séries télé, des trucs comme ça. Enfin, j'étais plutôt un mercenaire de la musique. Parce que j'avais un studio où je travaillais avec des musiciens, etc. Il fallait bien faire bouillir la marmite. Et puis j'adorais ça. J'ai appris un peu le métier d'ingénieur du son, de producteur, enfin de choses comme ça. Et puis après, avec la rencontre avec Jai, à peu près 30 ans après, là, il y a eu tout d'un coup l'envie de partager de la musique avec lui, qui est un guitariste exceptionnel et avec qui, ensemble, on dialogue entre la guitare électrique, les riffs, les choses comme ça, son talent, et puis moi, mes textes, mes chansons, ce que j'ai envie de raconter aux gens. Ah oui, ce jour-là, il a rencontré Jai. Alors, qui est Jai? Jai, c'est un mélange de Frank Zappa, de Jimi Hendrix et de Deep Purple. Mais, et puis tous. C'est un guitariste. Oui, alors moi, en fait, j'ai pas fait grand-chose de musique. En musique, je ne suis pas connu, je suis inconnu ou connu de personne, ou inconnu de tout le monde, on va dire. J'ai rencontré Patrick. Jimi Hendrix, comme tu le fais. Oh si, il y en a plein. Non, mais moi, je fais qu'une intro d'Hendrix. Hendrix, c'est exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. Mais toi, tu es exceptionnel. Non. C'est censé... D'abord, ce sont ces guitaristes qui m'ont donné envie de jouer de la guitare. Hein. C'est surtout Hendrix. Ah, moi, je ne peux pas me juger hein, parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Voilà. T'es une pointure.
Ouais, bon. Ça, je sais pas. Surtout, ce qu'il faut savoir pour les guitaristes, les musiciens, c'est des heures et des heures et des heures à travailler sur un manche de bois avec 6 bouts de ferraille pour arriver à avoir une espèce de dextérité, de naturel pour exprimer sa pensée, ce qu'on est. Et Jai, il a ça en lui. Et c'est, toi, c'est... t'es guitariste, ça. Oui, enfin, moi, je suis quelqu'un qui fait de la rythmique. Et ce qui est formidable avec ce duo, c'est le dialogue. Non, c'est quoi, c'est le dialogue qu'on a. Et, et lui, bon, il faut dire aussi qu'il vient, c'est un Breton, Jai. Donc, il a en lui l'héritage de la musique celte et en même temps l'amour d'Hendrix, l'amour du hard rock, l'amour du jazz aussi, parce qu'il a travaillé, il va te le dire, avec des gens formidables pour apprendre. Et puis, tout d'un coup, moi, je suis hyper heureux de l'avoir rencontré puis de l'avoir un peu révélé dans le travail qu'on fait. Parce que c'est... Je peux te dire ce que j'en pense, moi. C'est que la musique de Jai, sur tes paroles, ça les enjolive. Bah, bien sûr, ça les enjolive. Ça les donne très belles. Bien sûr, ça les enjolive. C'est grandiose. Marie, quand on l'écoute avant, et quand on l'écoute maintenant, c'est pas pareil. Bah, bien sûr, et puis la vie avance. Et puis, moi, on a beaucoup de chance de s'être rencontrés. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. C'est des choses qui arrivent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. On rencontre des gens, et puis ces rencontres-là provoquent des choses. Et là, moi, je suis merveilleusement heureux de faire de la musique avec mon frère. Alors toi, j'ai vu Patrick dans un festival en 1979, ce qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, à Carquefou. Et effectivement, moi, à l'époque, j'écoutais pas de français. Vous voyez, j'écoutais que des musiques américaines ou anglaises. Voilà, les Floyd, Deep Purple, Hendrix, Dire Straits. Les Beatles, les Stones, enfin, et les autres, et tous les autres, le groupe Toto que j'adore. Et donc, c'est vrai que de jouer avec Patrick, moi, ça m'a permis de monter mon niveau. Voilà, ce qu'il m'a laissé faire. Je suis totalement libre avec lui. Voilà. Bon, et puis, pas oublier aussi le talent de Patrick, parce qu'on n'en a pas parlé. Le talent, Patrick. Lui, il est, c'est un raconteur d'histoire. Et c'est un comédien, donc lui il fait du théâtre en chantant en fait. C'est ça qui est le duo entre justement le côté théâtral et puis moi la guitare rock, hard, blues. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les deux ensemble, c'est un poème d'amour. C'est un poème de justice. Yémas. C'est une musique propre, animale, énergique, humaine. Énergique et vrai, et qui vous dit je vous aime. Ouais. Par contre, où est-ce qu'on peut retrouver? Alors là, si on va jouer dans la région parisienne, enfin à Paris, quasi à Paris, on va jouer le 11 février dans un petit théâtre sympa qui s'appelle le Forum Léo Ferré, qui est à la porte d'Ivry. Et figure-toi, chose extraordinaire, c'est Jai, il habite juste à côté. Lui, il descend. D'ailleurs, il y a tout son immeuble qui va venir parce que c'est de l'autre côté de la rue. Et on est hyper contents. Nous, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est jouer. Quoi. On adore jouer. C'est vraiment ça, la musique live, la musique vivante, sans machine, comme ça, naturel, tel qu'on est. Il est vocal. Voilà. Et en tout cas, je vous annonce qu'ils vont jouer au Mojito. Rue du Capitaine Dreyfus à Montreuil, bientôt, je m'en occupe. Ah ben j'espère, nous on arrive tout de suite. Hein. Voilà, et puis si des gens veulent nous engager, nous on arrive. Hein. Comment on trouve tes disques, on est totalement libre pour jouer. Oui, on est en train de monter un album, on est en train d'essayer de monter un DVD, mais c'est assez difficile aujourd'hui. Le métier de la chanson, de la musique est assez difficile. Alors, on travaille, nous, directement avec les gens. En fait, on a quelqu'un qui s'occupe de nous pour trouver des concerts, des choses comme ça. Mais en fait, on travaille directement avec les gens. On aime bien aller à la rencontre des gens, les connaître, les vrais, les toucher. Voilà. Voilà, et transmettre. C'est pas Monsieur Bolloré. C'est Monsieur, je te connais. C'est ça, mon copain Patrick. Voilà.
Bah écoute, en tous les cas, merci à vous et puis merci à ce que vous faites à TV Debout de donner la parole à des gens différents, et des gens qui n'ont pas l'habitude de, d'être sur les médias, etc. Et c'est très très bien que des initiatives comme la vôtre existent et nous permettent à nous de nous faire connaître et puis permettent aussi à gens de, aux gens de dialoguer, de dire ce qu'ils ont sur, la, sur le ventre, etc. dans cette période vraiment difficile, cette période où on ne sait pas très bien où on va. Merci Patrick. Et où on sait où on ne va pas, c'est surtout ça d'ailleurs. A priori, on ne va pas y aller, hein, avec les nouveaux qui se présentent. C'était Jai et Patrick Abrial. Dans le désert du Nevada, on a rencontré un drôle de gars. Il s'appelait Jack Brel. C'était un cow-boy. C'était Jacques Brel. Hey! Derrière la saleté, ses talents devant nous. Derrière les yeux plissés et les visages mous. Au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières, qui sont de barbelés, et plus loin que la misère, il nous faut regarder. De beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, et le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle. Le soleil de demain et le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des girons de chartier plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. L'oiseau au fond du bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre,
qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort. De guitare de Jai dans les retours si c'est possible. Sa guitare dans les retours. Non, non, c'est bon. Hello, Spiden. Vas-y. Glisser sur une peau de banane entre la 333e et 334e marche de la Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, voilà mon testament. Je lègue les deux premières cordes de ma guitare, celles qui sont les plus barbares. À cet idiot de beau nana pour m'attacher ses idées noires. Sur une guitare, il y a 6 cordes. Alors je lègue les 2 suivantes cordes de ma guitare, celles qui sont les plus bizarres. À tous les faux culs, les connards, un triste soir. Hey, pour qu'il s'y pende, un triste soir. Hey. Les 2 dernières cordes de ma guitare, aussi fragile que l'espoir.
ces cordes-là, je les lègue à cette fille du hasard pour y nouer ses cheveux noirs. Merci beaucoup, c'était top. Elle s'appelle Lise Martin, mais je vais la laisser se présenter elle-même. Eh ben, bonjour, je m'appelle donc Lise Martin et je fais de la chanson française, de la chanson à texte, comme on dit. Qu'est-ce que tu appelles la chanson à texte ? Moi, j'appelle, ce que j'appelle la chanson à texte, c'est la chanson où le texte est le socle de la chanson, et puis où la musique est très importante aussi, mais elle vient terminer le texte, on va dire. Et ce n'est pas la musique d'abord, c'est la musique qui est au service du texte. Elle aide à transmettre le texte. Voilà. C'est ça que j'appelle la chanson à texte. T'as écouté Georges Sand, toi? Ah, peut-être. Je ne sais pas ce qu'elle en pensait, Georges Sand, de la chanson à texte. Mais... Par contre, Louise Michel, elle aurait aimé te voir jouer du ukulélé. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi tu joues du ukulélé? Pourquoi le ukulélé? Eh bien, en fait, moi, j'ai commencé par la guitare. Et un jour, j'ai acheté un ukulélé pas cher dans un magasin en me disant, je vais tester. Et puis en fait, ça a été un vrai coup de foudre. J'ai plus lâché mon ukulélé. Donc j'en ai acheté un de meilleure qualité que le premier, qui était vraiment pas terrible. Et maintenant, je me promène partout avec mon ukulélé. Voilà. Je sais pas, je voyais pas ça comme un instrument très féminin. Et ben moi. Alors que t'es très féminine. Oui, mais en fait, moi, le ukulélé, je l'associe à Marilyn Monroe dans certains Lame Show. Ah. Donc je trouve ça assez féminin finalement. Voilà. Est-ce que Marilyn Monroe était très féminine poupée? Ça, c'est un grand débat. Je ne sais pas si on aura une réponse à cette question. Qu'est-ce que tu vas nous jouer, là? Alors, je vais faire deux chansons. La première, c'est une chanson qui s'appelle « Tout fout le camp », qui date de 1937, qui a été chantée par Edith Piaf et par Damien. Et il y a beaucoup d'autres artistes qui l'ont reprise après. Si je ne me trompe pas, je crois que Félix Leclerc l'a chantée aussi. C'est une chanson que je trouve vraiment très belle, très bien écrite. Et malheureusement, elle est toujours actuelle, en fait, même si elle date un peu. Donc, c'est pour ça que je vais la rechanter aujourd'hui. Et une chanson de toi. Et alors, voilà, une chanson de moi. C'est à moitié de moi, parce que c'est un texte d'Aragon que j'ai mis en musique. Voilà, donc la musique est de moi. Et le poème que j'ai choisi s'appelle « Les mots qui ne sont pas d'amour ». Voilà. Parce qu'en fait, comme c'est sur la chanson engagée, j'ai choisi ces deux chansons-là qui sont qui me semblaient être les plus à propos. Voilà. Mais en général, t'écris tes textes? Par contre, j'écris tous mes textes et toutes mes musiques, sauf quand je mets en musique des poètes. Ça a été le cas donc avec ce poème d'Aragon, mais j'ai mis aussi en musique un poème de Victor Hugo, deux poèmes de Baudelaire. Et donc je prépare mon prochain album avec des compos, mais l'album qui suivra sera certainement un album de poètes mis en musique. Si on veut l'acheter, on le trouve comment sur Internet? Alors, j'ai mon site internet, lisemartin.fr. Et alors, pour l'instant, il faudra être un petit peu patient parce qu'ils sont en cours de repressage, mes disques. Mmh. Donc, je pense que je les aurai début janvier, là, 2017. Est-ce que tu as des actus à... Eh ben là, je vais être enfin en vacances. Mais après, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Toutes les infos seront sur mon site. Je chanterai le 6 janvier sur le bateau à la Lamagne pour le plateau chanson.
Et puis après, voilà, tout le reste des dates, je ne les ai pas en tête, je les mettrai sur le site. Donc, voilà. Merci, Élise. Merci beaucoup. Comme quoi, vous voyez, il y a plein d'artistes qui se déplacent pour venir à Mémines-Montant, la chanson engagée, dans un lieu qui était avant occupé par les communards, qui s'appelle la Bellevilloise. Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pend le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, dépouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises et sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voit tout petits, si petits, tourne, tourne sur nous et crie au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout foulcan. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. Merci beaucoup. Alors, quand on constate que tout fout le camp, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Une réponse possible m'a été soufflée par ce poème d'Aragon que j'ai mis en musique qui s'appelle « Les mots qui ne sont pas d'amour ». Peux-tu laisser... Peux-tu laisser... Ça y est, je suis là. Peux-tu laisser le feu s'étendre qui brûle dans les bois d'autrui, mais pour un arbre, pour un fruit, regarde-toi, tu n'es que cendre. Chaque douleur humaine veut que de tout ton sang tu l'étreignes, et celle-là pour qui tu saignes ne sait que souffler sur le feu. Il est inutile de geindre comme il convient le sentiment de n'être rien, mais j'ai mis longtemps à l'atteindre. Le malheur où te voilà pris ne se règle pas au détail, il est l'objet d'une bataille dont tu ne peux payer le prix. Apprends qu'elle n'est pas la tienne, mais bien la peine de chacun. Jette ton cœur au feu commun, qu'est-il de tel que tu y tiennes? Il est inutile de geindre si l'on acquiert comme il convient le sentiment de n'être rien, mais j'ai mis longtemps à l'atteindre. Ce ne sont pas les mots d'amour qui détourne les tragédies, ce ne sont pas les mots qu'on dit qui changent la face des jours. Et pas plus l'amour ne se crée, et pas plus l'amour ne se force. Aucun dieu n'est pris sous l'écorce qu'il t'appartienne de délivrer. Il est inutile de geindre si l'on acquiert comme il convient le sentiment de n'être rien, mais j'ai mis longtemps à l'atteindre.
soudain la vapeur se renverse. Toi qui croyais faire la loi, tout existe et bouge sans toi. Tes beaux nuages se dispersent. On se met à mieux voir le monde et peu à peu ça monte en vous. Il fallait bien qu'on se l'avoue, ne serait-ce qu'une seconde. Il est inutile de geindre si l'on acquiert comme il convient le sentiment de n'être rien. Mais j'ai mis longtemps à l'atteindre. Merci beaucoup. Merci. Vous gourrez pas, le gars à la casquette derrière moi, là, c'est pas Achille Talon. C'est le chanteur des frérots. C'est un peu comme Achille Talon, vous voyez, mais en un peu plus blasé. Lui, il a tout vu et il va vous le chanter. Vous saurez aussi avec eux que la misère n'est pas toujours chez les riches. C'est pas des conneries, c'est pas Pacou qui l'a dit. Eh oui. Derrière, à suivre, François Stahl, qui vous chantera Le Partisan de Cohen et Une Rivière. Bon, ça c'est plutôt une compo, quoi. Voilà, voilà. Il a un nouvel album qui sort, François Stahl, L'Incertain. Voilà. Et il prépare une tournée à Paris le 27 février. Il sera tous les derniers lundis du mois à la Péniche Antipode. Et puis derrière, Stéphane Zelten qui vous chantera Mamoum. Nous, on n'est pas des stars. On s'appelle pas Joey. Nous, on préfère le système solaire. MC solaire. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. Allume un grand feu qui se voit de loin et viens m'attendre au bas du chemin. Arrivez nombreux, préviens les copains. Je suis heureux, je reviens demain. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. J'ai bu l'alcool de tous les pays, entre l'enfer et le paradis. J'ai possédé tous les plus beaux gars. J'ai vu la mort comme je te vois. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. J'ai fait la guerre sans savoir pourquoi, pour la princesse ou n'importe quoi. Je peux revenir content, je m'en suis tiré vivant. Grâce à tous les fous que j'ai rencontrés, je suis tout près de la vérité. Si je ne suis pas plus riche qu'avant, c'est que j'ai tout semé dans le vent. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. Mes histoires de cœur, j'ai mélangé toutes les couleurs. J'ai sillonné tous les océans, j'ai vu couler mes ennuis dedans. Allume un grand feu près de la maison, je veux des fleurs sur tous les balcons. Tu es le bon gras et préparez-vous. Je suis heureux, je reviens chez nous. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. Yo, 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 yo. 21 jours d'errance dans le désert et la démence. Mon corps se meut dans l'espace comme une espèce de dernière danse. J'ai poussé à bout mes croyances. J'aperçois le bout de la route et je l'ai fait guérir sans fin dans les mirages et dans le doute. Il n'y aura pas de catharsis, ni Asmara, ni en Araro. Arthur m'a vendu des amants d'usage sous un soleil noir. Les clés n'étaient pas perdues. Jusqu'à des jalousement dans une boutique au bas de la rue. Et je sais, maintenant, papou est tanné comme celle d'Ara du désert. Que les grosses montent au gronde et qu'elles font tourner la terre. Que les journées s'allongent, s'éternisent, oublient la nuit. Que les collines dégoulinent comme les pendules de Dali. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. Je vous dirai le Kamasutra, je l'ai chanté sous l'Himalaya. Je sais bien que ce n'est pas sérieux, mais c'est encore ce qu'on fait de mieux. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu. J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. Le tour du monde est bientôt fini. Vive le jour où je suis parti, mais vive encore plus ce jour où
me voici de retour. J'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus, j'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus, j'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus, j'ai tout vu, tout connu, j'ai tout gagné, tout perdu, j'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus. À la R trompette, François Orange. Un tout petit peu plus de piano dans les retours, ça serait parfait, merci beaucoup. La prochaine chanson qui va suivre, une chanson de monsieur Christian Pacou. Chez les riches. Il y en a qui s'en fichent aux antennes. La misère n'est pas toujours chez les riches. Il y en a qui s'en foutent à Neuilly. Alternative, du plutôt rien que peu, je choisis de rire chez mes amis les queues. Si t'as la vie en boule et l'avenir en croix, viens mater dans les poubelles vides de Pôle emploi. La misère n'est pas toujours chez les riches. La misère n'est pas toujours chez les riches. Bravo, 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 bravo. C'est nous qu'on voit la vie par les plis de dessous. Quand il passe à midi, on parle dessus dessous. On dirait qu'il s'aime plus qu'à coup de stock option, qu'on a tiré leur jus, leur sang et vidé leurs neurones. La misère n'est pas toujours chez les riches. Y'en a qui s'en fichent aux antennes. La misère n'est pas toujours chez les riches. Y'en a qui s'en foutent à Neuilly. On se fait copain, oh putain des putains, putain, nous ça nous coûte rien qu'un petit air de flûte. Nous qu'on est sur la touche, quand y'a le vent qui pleut, on se fait sur la bouche des bisous d'amoureux. La misère n'est pas toujours chez les riches. Y'en a qui s'en fichent aux antennes. La misère n'est pas toujours chez les riches. Y'en a qui s'en foutent à Neuilly. Bravo, 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 bravo. Y'a du sang dans la mer, les requins sont attirés. Là où se trouve la misère, les riches sont déjà passés. C'est là qu'ils ont tout raflé, le fort, Le sang est dans la mer, les requins sont attirés. C'est là qu'ils ont tout raflé, le fric, la force et les fleurs. Eh ben, je l'ai plus. C'est pas grave. Nous les décalculés, qu'on a le temps pour rien. Quand tu passes en Mickey, ça nous fait rire un brin. Les deux pieds dans la boue, on se fout de ta gueule. Faut dire que pour du coup, mon con, t'es vraiment pas tout seul. La misère n'est pas toujours chez les riches. Y'en a qui s'en fichent aux antennes.
La misère n'est pas toujours chez les riches, un mec s'en fout à Neuilly. Bravo, bravo. Un homme bravo, sort de l'homme et s'habille bravo, en machine à consommer. La misère n'est pas toujours chez les riches, en achetant foutre à Neuilly. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Allez, allez, allez. La misère n'est pas toujours chez les riches. La misère n'est pas toujours chez les riches. Bravo, bravo. La misère n'est pas toujours chez les riches. La misère n'est pas toujours chez les riches. Bravo! 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 Merci, Mini Montant. Je suis avec François Stahl, un chanteur de rock poétique qui est venu au Festival de la chanson engagée. Pourquoi ? Déjà, à la base, je pense que toutes les chansons doivent être engagées. Pour moi, sinon, ce n'est pas une chanson, si elle n'est pas un peu au moins engagée. Et puis, je suis ami, le programmateur m'apprécie, je crois. Donc, du coup, il m'a proposé et je suis ravi de m'engager un petit peu au milieu de ce festival. T'es proche de Tetraide ? Je connais un petit peu, un tout petit peu Christian. J'ai eu la chance de faire sa première partie à Lyon il n'y a pas longtemps. Mais bien sûr, disons que c'est tout à fait l'esprit de ce que je défends. Et toi, tu m'as dit que tu faisais du rock poétique. Peux-tu m'expliquer un peu ce que tu veux dire par rock poétique ? Du rock poétique, c'est de la chanson rock, sur une musique plutôt anglo-saxonne, on va dire. Donc rock, tu chantes en anglais ? Non, justement, je chante en français, sur une musique anglo-saxonne, rock un peu. Et c'est des textes qui sont assez poétiques, des métaphores, que tu écris. Que j'écris, voilà, exactement. Ouais. Et ce qui caractérise, si tu veux, le côté rock, c'est que c'est pas des guitares-voix en ternaire ou machin, c'est vraiment plus rock, quoi. Tu peux nous faire un petit sonnet comme ça, là ? Non, je m'y lancerai pas. Non, je suis... Alors justement, si j'écris des... Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai choisi la chanson comme forme, c'est parce que je n'ai pas du tout le sens de la répartie, j'ai besoin d'écrire, et l'écriture d'ailleurs, j'ai besoin du temps, je suis quelqu'un de posé, je retravaille, et c'est vraiment, je suis pas du tout un showman, je suis vraiment quelqu'un, c'est pour ça que j'ai choisi cette formule-là de rock poétique, je prends mon temps. Tu vas nous jouer quoi là ? Alors là, je vais, pour la reprise de Chansons engagées, j'ai choisi Le Partisan de Leonard Cohen, qui est du coup en français et en anglais. Voilà, parce que comme Leonard Cohen est parti, et que c'est une chanson qui me semble bien, bien engagée, je me suis dit que c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Il était quand même ambigu l'engagement de Leonard Cohen, parce qu'oublie pas les détails, c'est qu'il était proche quand même d'Israël. C'est possible, ouais. Ouais. Très proche. C'est possible. Après, moi, je ne connais pas tous les détails, etc. Mais à part ça, j'adore cette chanson. Ouais. Et puis, de toute façon, en fait, c'est une chanson qui est une vraie chanson de partisan au départ, qui a été reprise par Leonard Cohen. Voilà, elle n'est pas de lui, d'ailleurs, véritablement. Hein. Mais voilà. Et puis après, j'ai une chanson de moi qui s'appelle Comment ça s'appelle, Loin d'ici, une rivière, qui est une chanson que j'ai écrite sur...
sur les migrants, on va dire, sur les réfugiés. Alors, oui, elle dit quoi, en gros, ça parle de quoi? C'est très poétique, ça parle de, loin d'ici, une rivière, il y a une rivière ancienne, voilà. Plus douce, plus humaine, voilà, ça parle de, d'une du fait qu'on pourrait imaginer qu'il y a un monde meilleur, est-ce qu'il y en a un, je ne sais pas, mais l'espoir en fait. Une chanson finalement d'espoir pour les gens qui sont qui pensent toujours qu'il y a un endroit où c'est mieux, et ils ont raison de le penser, au moins l'espoir fait vivre. Pour les gens qui vont apprécier ce que tu fais, comment on peut te contacter? Ah, c'est très simple. Le plus simple, c'est de taper François Stahl sur Google, truc comme ça. Sinon, il y a un site officiel qui est lestahl.com. Et puis, on trouve très facilement sur Internet. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie. Ben, en c'est tout moi. Cas, c'était François Stahl. Oui, j'ai un album qui sort. Oui, tu as un album qui sort. Alors, ben, dis-nous il quand même. Vraiment, voilà. Donc, j'ai un album. J'ai un album qui sort là, qui est sorti, il est d'ailleurs en vente là, qui s'appelle L'Incertain, qui est mon tout dernier album. Et je serai en concert tous les derniers lundis du mois à la Péniche Antipode à Paris. D'accord. Alors. Est-ce que tu as un site oui. Ou une page Facebook où les gens peuvent aller voir? J'ai tout ça. T'es sur YouTube? Je suis sur YouTube, on me trouve très facilement. Alors, oui, j'ai 11 000 et quelques fans sur Facebook. Non, mais ça, c'est pas le problème, c'est surtout que les gens qui auront envie de te voir, là, maintenant, qui ne te connaissent pas, puissent te voir. Bah oui, voilà. Donc, tu as des vidéos sur YouTube? J'ai tout ce qu'il faut, ouais. J'ai des vidéos. Allez voir François Stahl sur YouTube. When they pulled across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. Yeah. Woman, give us shelter, keep us hidden in the garret. Then the soldier came. She died without a whisper. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. So the wind is blowing. So the grave, the wind is blowing. Freedom soon will come. And we'll come from the shadow. Chez moi, ils me disent résigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. The wind is blowing. Through the grave, the wind is blowing. Freedom soon will come. And we'll come from the shadow.
Merci beaucoup, merci. On va faire une chanson de mon dernier album. C'est une chanson que j'ai écrite il y a un bon petit moment, qui parle des réfugiés politiques principalement. Elle s'appelle « Loin d'ici, une rivière ». À l'abri du soleil, des césures de l'âme entière, nous cherchions les chemins de fer. Une césure de l'âme entière, loin d'ici, faire mieux pour redevenir frères. Loin d'ici, nous marchions. Loin d'ici, nous marchions. Abandonner l'éphémère, survivre après la guerre. Loin d'ici, nous marchions. Loin d'ici, nous marchions. Il y a une rivière ancienne à l'ouest de tous les Pecos, au nord des Sierras. Il y a une rivière plus douce, plus humaine, portant le monde qui sera. Il y a une rivière, il y a une rivière, une rivière ancienne au nord des Sierras, portant le monde qui sera. Échapper des enfers, oublier du soleil, l'humanité tout entière. Comme des chiens errants, oubliant les règles de guerre, nous avions ouvert la terre. Loin d'ici, nous marchions. Loin d'ici, nous rêvions. Il y a une rivière ancienne, à l'ouest de tous les Pecos, au nord des Sierras. Il y a une rivière plus douce, plus humaine, portant le monde qui sera. Il y a une rivière, il y a une rivière ancienne. On a des Sierras portant le monde qui sera. Au nord des Sierras, portant le monde qui sera. Nous suivions nos espoirs, avançant pour y croire. Le sable appelait notre histoire. Loin d'ici, nous marchions. Loin d'ici, nous rêvions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Ménilmontant. Merci. Bonsoir mesdames. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. 1, 2, 1, 1, 2. Alors merci à l'association Ménilmontant de nous avoir invités. On va essayer de vous interpréter quelque chose. Moi c'est Stéphane Zelten, dit Zelten tout court. Et je suis accompagné aujourd'hui, comme souvent sur les concerts en ce moment, par José Louillot à l'accordéon. Un, un. Je peux avoir un peu plus de voix dans mon premier tour. Un, deux, un, un. Mmh.
de solaire. Elle bosse pas pour les magazines, elle travaille en usine à Crète. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre qui n'a qu'un carreau donne sur l'entrepôt, elle et toi. On part pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. On a pour marin quelque part en Lorraine, mais c'est loin. Et maman, elle a 25 berges, et je crois bien que la Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on en dise. L'été, dans la ville sans sommeil, chez nous y'a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, et puis je prends sa main, je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre, on dirait. J'en regarde tomber le jour, et puis on fait l'amour, chut, en secret. Ma môme, c'est pas Carla Bruni, c'est pas Kim Kardashian, ça pense pas qu'à l'oseille. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes, non, de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Hey! Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Hein? Merci. Je peux avoir du son, si j'ai pas de son du tout là. On va poursuivre avec une chanson dans les conditions du direct. Une chanson d'un album précédent qui s'appelle Lila. Moi, je veux que mon engagement ce soir, il aille vers les femmes de tous les pays, vers les femmes qui sont souvent, malheureusement, les premières victimes de gros dégueulasses un peu partout dans le monde. Et en France. Et en France, et ailleurs. Et cette chanson s'appelle Lila. Voilà. Sans démagogie aucune. J'aime tellement ton sourire que mon cœur rouge est une fleur, Lila. J'ai une fleur au son de la ville qui chavire. Des grands yeux noirs ont des désirs, Lila. Des grands yeux noirs ont des désirs. Je te sens encore souveraine d'une pudeur revêtue, soumise à la loi et la haine de quelques hommes trop. Tellement ton sourire que mon cœur rouge est une fleur, Lila. Que mon cœur rouge est une fleur. Tu promets tes soupirs au fond d'un bouge de cœur nomade, Lila. Où l'or, l'encens et la mire te font voyager loin d'ici, emporté par le vent du soir. Fille de toutes les libertés, tu lèves le voile sur tes espoirs. À la vie, à l'amour, petite sœur des faubourgs, ce serait bien que l'on s'aime. Ce serait bien que l'on s'aime. À la vie, à la mort, nous on veut vivre encore. Ce serait bien que l'on s'aime. Ce serait bien que l'on s'aime. Fille aux doux rêves de jasmin, dans les jardins de tes plaisirs. On ne peut se prendre
tendre la main. Ou est-ce que ça crée dans le rire? Toi, mais les montants, tu vas faire. Oh, 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 à la vie, à l'amour, petite sœur des faubourgs, ce serait bien que l'on s'aime. Ce serait bien que l'on s'aime. À la vie, à la mort, nous on veut vivre encore. Ce serait bien que l'on s'aime. Ce serait bien que l'on s'aime. J'aime tellement ton sourire que mon cœur rouge est une fleur, Lila. Que mon cœur rouge est une fleur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. José Louillot à l'accordéon. Moi, c'est Zelten, voilà. Il y a un nouvel album qui est sorti, tout ça, blablabla. Bla bla. Et j'espère à bientôt, les amis, les camarades. Ciao. Et restez dans la lutte, parce que c'est pas une utopie de se battre et de rester vivant pour ce qu'on appelle l'unité entre nous, avant d'avoir dans le fion bientôt, parce que ça craint en ce moment. Voilà, ciao. Vous vous souvenez de Patrick Abrial et Jai qui ont chanté tout à l'heure « Il nous faut regarder » Eh bien, sachez qu'ils seront en concert à l'espace Léo Ferré le 11 février. Alors, notez ça dans vos calepins parce que ça risque d'être un grand moment. On en a d'autres qui arrivent, là, à l'air de rien. Alors, le prochain groupe qui arrive s'appelle... Alors, c'est une association entre deux structures, en fait. La Bestiole et 3 minutes sur mer. Voilà, ils vont vous chanter... Qu'est-ce qu'on attend de NTM? Eh ouais. Il en fallait. Il en fallait, voilà. Alors la première sera en concert à la Libre, rue du Faubourg Saint-Antoine, le samedi 7 janvier. Et son collègue, Cajal, en concert au Macareux, le 12 janvier. Ensuite, comment vous expliquez ça? C'est un peu confus. Il y a un ancien locataire qui est passé... Voilà, voir ce que ça devenait chez lui, ici, voilà, depuis. Donc, il a décidé de se mêler à cette affaire. Vous allez avoir droit à une intervention surprise de Rachita. Hein? C'est une surprise pour moi, quand même. Hein? Permettez de le croire. Et puis, son comparse en mondol, Hakim Amadouche... va conclure le bal avec Cher, avant évidemment le parrain de la soirée, Christian Olivier. Allez, c'est parti. La Bestiole et 3 minutes sur mer. Oh, oui. Bonsoir. Bonsoir. Les maquisards qui avaient monté la montagne de Ménilmontant. Sur le thème de la chanson engagée. On va commencer par une compo. Chanson inspirée par Les Nuits Debout. Chanson plutôt égarée, inspirée par Les Nuits Debout. Thank you.
titubante. Tu as l'air d'en demeurer grimé par la lune en mammifère indigné. Tu te vois, tu te sens pas frais, prêt à te jeter sous les roues du premier venu. Sous tes airs d'enfant trop gentil et paumé, tu voudrais bien des fois soulager de ce poids sans le nommer. Mais moi je sais de quoi tu as peur. Tu as peur de ne plus voir les mille et une couleurs. Qu'on te les vole définitivement. On t'a déjà arnaqué en substituant les forces de l'ordre aux gardiens de la paix, en rebaptisant aussi charge patronale les cotisations sociales. T'as pas trop mal, c'est pas si mal, les décimales. Mais de battre ton cœur ne peut pas s'empêcher. Alors tu vas titubant, humilié, avec ton air d'enfant, paumé, grimé par la lune, mammifère indigné, demeurer impuissant, impuissant, mais réveillé. Merci à vous, merci à Albert et toute son équipe de l'association Ménilmontant, parce qu'il faut prendre ce temps-là. Merci à vous d'être là, merci à tous les musiciens. La musique, Pablo Casals disait une chose, disait la musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour, donne la paix à ceux qui sont sans repos et console ceux qui pleurent. Voilà. Ménilmontant, Ménilmontant, chanson engagée. Nous allons faire une chanson enragée. Tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. C'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pense par la répression stopper net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens. Les coups ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout aurait dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez que ça va finir mal tout ça. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? 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 Mais qu'est-ce qu'on attend? En effet, que vivre enchaîné, en effet, comme le veut la société, c'est un fait, mais
Il faut que cela cesse, fasse place à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse brûle l'état policier en premier et envoie la République brûler au même bûcher. Ouais, notre tour est venu à nous de buter les dés, décider mentalement de s'équiper. Quoi, t'es miro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. D'autres sont déjà dans ce cas, tout ça finira dans le désarroi. Désarroi, désarroi. Le monde rural en est l'exemple. Désarroi, désarroi. Vous subirez la même pente, l'agonie lente. C'est pourquoi j'en attends à ces putains de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France, mais l'heure n'est plus à l'indulgence, mais au fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux, pour qu'on nous prenne un peu plus au sérieux. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, 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 mais qu'est-ce qu'on attend. Dorénavant la rue ne pardonne plus. Nous n'avons rien à perdre car nous n'avons jamais rien eu. À votre place, je ne dormirai pas tranquille. La bourgeoisie peut trembler, les caïras sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Allons à l'Élysée brûler les vieux et les vieilles. Il faut bien qu'un jour ils payent. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Sont nos repères, sont nos modèles. De toute une jeunesse, vous avez brûlé les rêves. Brûlé les rêves, tari la sève de l'espérance. Mais il est temps qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses, les faces de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chances sont vaines, alors arrêtons tout, vu que tout cela traîne et draine même encore plus de haine. Ensemble, incinérons le système. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, 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 mais qu'est-ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend. Et vous, qu'est-ce que vous attendez. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes toujours à la Bellevilloise. Et là, je suis avec un poète de la rue, un poète du trottoir, un poète de l'amour, un poète de la justice. Il s'appelle Rachid Tahar. Bonjour. Il y a un poète du Bois de Boulogne, un poète de Tibaza, de Bab El Oued, et un poète de toutes les rues, et un poète de l'ami de Hakim Amadou. Et en même temps, je suis avec Hakim, qui est le luthiste de cette équipe. Voilà. À toi, Hakim, tu m'expliques pourquoi vous êtes là. On est là pour soutenir une association et pour un peu chanter l'amour. Des chansons engagées qui engagent notre personne, nos personnes et qui engagent à ce que on doit chanter l'amour, la paix, la guerre et la justice. Hakim, on se connaît depuis longtemps, je sais que c'est un être d'amour. Yes. Merci. En tout cas, quand tu joues du luth, moi, tu me fais rêver. Mais moi, je lutte en jouant du luth. Oui. Je lutte en jouant du luth, c'est énorme. Ouais, bravo. C'est bien. Je redonne la parole à Rachid. Mal, ouais. On redonne la parole à Rachid. Non, laisse-lui. C'est Rachid, pourquoi t'es là. Pour lutter contre son luth. Pourquoi tu luttes contre son luth, toi. Parce qu'il me lutte. C'est pas vrai. Tu es là parce que tu aimes la justice aussi, parce que je te connais aussi. T'es un être d'amour. Oui, mon chéri. T'es un être de vérité. Oui. Alors, dis-nous la vérité. Mesdames et messieurs, je crois que c'est France Inter avec José Arthur. Mais non, vous êtes avec Esteban. Dis-moi, Esteban, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui vous connaissent. Présente-toi un peu. Moi, je suis un vieux monsieur qui aime le peuple. Mais présente-toi. Non, toi, t'es un poète. C'est pas à moi de me présenter. Bon alors, on est là aussi pour chanter quelques chansons qui doivent un peu représenter cette chanson engagée. Voilà. Écoute, est-ce que vous allez parler peut-être quelque part de ce qui se passe à Alep là, dans vos chansons. On va parler de ça. On est là pour se rapprocher des uns et des autres et pour dire quelques de temps en temps de répondre à des questions
qui sont, y a des questions, il n'y a pas des bonnes réponses. Il faut savoir qu'à l'heure ce qui se passe, personne ne comprend ce qui se passe. Et je pense que quelque part, il y a des difficultés. Merci. Tu vois, Esteban, le drame de ces putains de pays de merde, celui qui a foutu la merde dans ces pays-là, il faut savoir que c'est l'Amérique. OK ? Ils ont commencé... Non, mais après la Russie, ils ont commencé à détruire Saddam Hussein. Moi, je reviens. J'étais avec des amis il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 heures, avec des amis syriens. Mais c'est le problème, le drame qu'il y a là-bas, c'est qu'avant, on était ensemble avec des chrétiens, des juifs, des druzes, des ashkénazes de tous les pays. Et depuis, on regarde la merde qu'on nous a foutue. C'est pas facile. Et il m'a dit, je ne veux pas que notre pays finisse comme l'Irak. Regarde l'Irak comme c'est fini. Il y a 30 ans, il y a eu la pape, il n'y avait pas de chrétiens, pas de juifs, pas de... Quoi ? Il y a eu la pape. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de chrétiens, de juifs, d'arabes, il n'y avait que des copains. Ouais. Et on y était tous les deux. Tu te rappelles de mon copain Cacahuète ? Un jour, alors c'est une anecdote, je te raconte. Mon ami Cacahuète. Place Renoir. Place Renoir. Ouais. Place Renoir. Toi, t'avais des copains juifs. T'avais des copains chrétiens. T'avais des copains de toute race. Attends, je te jure, je savais même pas ce que c'était un juif. On prenait le bus de 58. Et on débarquait. Et j'avais un ami Cacahuète à Tunisia. Et moi, il me traitait de. Parce que j'étais un peu fou. Enfin, vous, j'avais les cheveux longs. J'avais un sac à dos, c'était marqué Statu Quo, Led Zeppelin et tout. Et tellement il m'appelait le portugais. Quelques années plus tard, il fait la grève de la faim. Tu connais la double peine? Tu te souviens de double peine? Mais figure-toi, qu'est-ce qu'il y a sauvé, enfin, c'est trois personnes. C'est Bertrand Tavernier, Rachita et Sarkozy. C'est pas la gauche. C'est à tel point qu'on a sauvé la double peine. Tu te rappelles la double peine, toi? Voilà. Allez, allez, allez. Allez, Sochaux. Dis donc, je peux te demander un truc? Oui, tu veux quelque chose? Ouais. J'en ai encore un peu. Tu peux me parler un peu d'un mec? Tu as chanté sa chanson, elle s'appelle « Douce France ». Parle-moi de traîner. Écoute, sincèrement, traîner qui s'appelait Charles. Mais c'est un mec... poète. Grand poète, grand chanteur, mais un peu ambigu quand même. Hein. Mais c'est son problème, bon. C'est pas le tien. Si, c'est pour ça qu'on a repris Douce France. Parce que l'intérêt de reprendre Douce France, c'est une chanson qui était écrite dans les années 40, pendant l'occupation. Et ma question, elle était... Pourquoi tu l'as reprise? Je me suis posé, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est pour soutenir l'occupant ou c'était pour soutenir la France? C'est pour ça que je dis... Pourquoi tu l'as reprise, toi, à cette époque? Mais t'as entendu ma question, c'est une manière de dire, hey, c'est un facho ou ça ne l'est pas? Tu as repris cette chanson par rapport au barlieu, je voudrais que tu m'expliques. Non, j'ai pris par rapport à la réalité de la France. C'est une manière de dire, c'était pour parler de la résistance. Voilà. Donc toi, c'est Douce France, c'est le pays de ton enfance. C'est une chanson de résistance. Voilà. Et tu l'as quand même chanté à l'Assemblée nationale. Oui, mais c'était... pourquoi j'ai chanté à l'Assemblée nationale? Tous les gamins que tu vois là, il y a des voix des gamins qui sont là, ils ont tous la nationalité française, par exemple. Tu sais que dans les années 80, ils ont voulu remettre le droit du sang au droit du sol. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté Douce France pour remettre cette question-là. Et j'ai distribué ça à l'Assemblée nationale. Et tous les gamins qui m'entendent, monsieur Debout, c'est grâce à un petit con comme moi que vous êtes français. OK? Parce qu'on s'est battu, on a fait de la grève de la faim. Ouais. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème, enculé. Voilà. Écoute, Rachid. Cette chanson, tu l'as fait avec ton cœur, avec ton amour, et Traîna, il a aimé. Mesdames et messieurs, surprise
de la soirée, Monsieur Rachid Taha, qui est venu nous dire quelque chose. Ouais, ouais. Il est où le retour? Il est là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Attends, deux secondes. Vous n'allez pas rester assis à la fin de la soirée, alors on se lève tous. Parce que ces gens sont vraiment antifascistes. Il y en a marre des fachos. Comme disait l'autre, Pablo Casals disait où? De l'amour. Quand j'ai dit à ma mère, maman, je fais de la musique. Elle dit, putain, tu peux pas choisir un autre métier? Ça change tout. Percussion. Mesdames et messieurs, à la batterie, Caroline Caro. À la percussion, c'est Delphine. Delphine! À qui? Delphine! Continue, Delphine! Delphine et Caro! Christine Rock. Chanter avec moi. Christian des têtes raides, il est où? Allez, viens, Christian. Allez, Christian. Suffit. Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli. Et partout, les discours sont les mêmes. Étranger, tu es la cause de nos problèmes. Moi, je croyais que c'était fini. Mais non, c'était carré fini. C'était fini. Mais non, c'était carré pis. Voilà, ça recommence. Partout sur la douce France. Voilà, ça recommence. Partout, oui, ça avance. À la guitare, allez. Voilà que ça recommence. Partout, ils avancent. Oh, Christian, raconte-moi une histoire sur les fachos là. Ouais, j'adore tes chansons, Christian. Allez, vas-y, raconte-moi. Peuple français,
Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre résistance, leur propre liberté. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu parler? Vas-tu te taire? Hey, voilà, ça commence. Partout, nous allons en France. Voilà que ça commence. Partout, ils avancent. Jeff, connaissez Jeff. Et les anciens donnent la main aux petits, leur apprennent des chants de lutte, leur tendent la main, leur font regarder hier, nous apprendre comment inventer, se débarrasser des chaînes, avoir le sentiment de son existence, prendre la vie comme elle vient, suivre la voie qui nous prendra. Voilà. Voilà l'heure où l'on pleure. Voilà. Voilà l'heure où l'on pleure. Voilà l'heure où les cœurs se mettent à taper. Voilà. Ensemble. Où l'humain reprend ses droits et s'affranchit. L'amour sacré, celui qui nous amènera à nouveau vers la lumière et reprendre nos droits les plus élémentaires. Voilà. Ça recommence. Partout, ça nous surprend. Voilà, ça recommence. Partout, il s'avance. Voilà, ça commence. Partout, ça nous surprend. Voilà, ça recommence. Partout, il s'avance. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école. Voilà. Merci. Non, la pas. Merci Rachid. Thank you.
تابعينو بالحجر كالمكلوبين. شيخ مسكين ما خليتوش رونقيين تابعينو بالحجر كالمكلوبين. يشوفيكم بعيون الجيعاني ردوا له زعفكم بكلام خشين. يشوفيكم بعيون الجيعاني ردوا له زعفكم بكلام خشين. يشوفيكم بعيون الجيعاني ردوا له زعفكم بكلام خشين. اسمع انت يلي تصلي اسمع انت يلي تخبي اسمع انت يلي توصي اسمع انت يلي تربي خذ الحمامة اللي توصي حتى فوق الشعب المعمي خذ الحمامة اللي توصي حتى فوق الشعب المعمي اتنبهوا بكلام شرفي علي الشيخ اللي قلبو يغني اتنبهوا بكلام شرفي علي الشيخ اللي قلبو يغني يغني هاي البالون شيخ هاي البالون شيخ هاي البالون شيخ هاي البالون شيخ كل الوراد شيخ على شيخ شيخ على الزاوس هاي البالون شيخ هاي البالون شيخ وراد اليوم شيخ كل الوراد شيخ هاي البالون شيخ هاي البالون شيخ هاي البالون شيخ هاي البالون Mesdames et messieurs, je vous présente Ali à la guitare, Edith Begou au clavier, Caroline à la batterie, Delphine au cajon et Christine au sax. Merci. Et maintenant, c'est monsieur Christian Olivier. Merci à vous. Maintenant, je reçois sur ce plateau, ici, dans ce lieu communard, puisqu'il a été monté par les communards, la Bellevilloise, Christian Olivier. Christian Olivier, il va nous dire qui il est. Qui je suis? Je suis Christian Olivier, je suis à la Bellevilloise pour la deuxième année du festival des Ménilmontant, quoi, voilà. Christian Olivier, c'est... Je crois qu'il était chanteur de Tête Raide à un moment donné. Il me semble qu'il a chanté avec Tête Raide. Puis là, il vient de sortir un album solo, là, Christian Olivier, on-off. Et puis voilà, pour une petite pause Tête Raide, et puis ça reviendra un petit peu plus tard. Comment on le trouve, ton album, là? Comment on le trouve? On le trouve super bien.
Non, mais attends, sur Internet. Ah, bah là, tu... sur la page Gaston Prod, par exemple. Ouais, ouais, tu le trouves sur Internet, tu le trouves... Il y a quelques magasins encore qui l'ont, mais si t'as envie de le trouver, tu le trouves, quoi, ouais. Pourquoi t'es venu là? Pourquoi je suis venu là? Bah écoute, c'est notre ami Albert. Béral qui m'a appelé. Via aussi Hakim Amadouche ouais. qui va jouer aussi qui va jouer là et donc Albert m'a appelé, il m'a parlé du festival. Bon, j'en avais déjà entendu parler moi de tout ce qui se passe autour de Ménilmontant entre autres, pas que le festival. Et il m'a dit voilà, cette année c'est la deuxième année, l'an dernier on a fait Piaf, cette année on veut faire une soirée sur le un peu l'engagement d'une manière générale. Il m'a demandé d'être parrain de la soirée, puis j'ai dit bah allons-y quoi. Mais pourquoi ils m'ont dit que t'étais le parrain, t'es pas un Corleone? Un petit peu si quand même, ça se voit pas, mais un petit peu. Qu'est-ce que tu vas nous chanter là? Bah écoute, moi je vais chanter un Léo Ferré, puisque en même okay. temps on a parlé de ça. Je vais chanter cet extra. Tu vas faire bander tous les mecs là. Écoute, et pas que les mecs. Et hein. Bouillir, toutes les filles. Donc voilà. Ah, magnifique cette chanson. Bah, cet extra, c'est à la fois une chanson simple et difficile à chanter. Parce que à la fois, voilà, c'est une belle chanson. Il faut l'apprendre, voilà, enfin, en tout cas, faut l'apprendre du bon côté. Tu as connu Léo. J'ai connu Léo, on va dire que j'ai vu Léo sur scène, quoi, on va dire. Quoi. Donc voilà, puis ça reste voilà, quelqu'un qui bien entendu, m'a appris des choses dans la musique, dans l'écriture, dans tout un tas de choses. Et puis le deuxième morceau que je vais interpréter, c'est une reprise de ce fameux groupe des Têtes Raides, quoi. Mais, et, bah, c'est de toi, les Têtes Raides. Bah, c'est de moi, ouais, ouais, carrément, le morceau est de moi et ça s'appelle Expulsez-moi, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est une chanson qui... C'est une par chanson rapport qui date, à ce qui se passe. Bah, c'est une chanson qui date déjà d'il y a une dizaine d'années, hein. Mais Expulsez-moi aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, malheureusement. Et ça l'est encore plus en ce moment et dans les jours à venir. J'ai l'impression que ça va rester ça. Donc je dirais que c'est une chanson qui parle aujourd'hui par rapport à ça. Quoi. Christian Olivier, TV Debout, te remercie énormément. Ah bah TV Debout. Et vous vous mettez assis des fois un peu ouais. À TV, ouais, ça vous arrive. Attends, on a décidé que notre journal, on va l'appeler Dressé avec le poing. Oh là là, bah c'est bien ça. Bon bah vive TV Debout quoi. Hein. Et vive les Têtes Raides. Merci. Nous arrivons maintenant au terme de la soirée. Ah. Alors, l'espèce de grand duduche là, avec les lunettes, c'est un peu le gars qui a géré toutes les questions techniques. Merci de l'applaudir quand même. Et toute la communication internet aussi, c'est Thomas, le webmaster. Voilà. Le grand bavard à côté, c'est Béral. Avec un G majuscule et un B majuscule. Le trésorier avec un T minuscule parce qu'on aimerait bien avoir un peu des fonds. Mais comme vous avez adhéré, on va peut-être s'en sortir. Abdelkrim Boussexou. Boussexou en kabyle, ça veut dire couscous, ça s'invente pas quand même. Le président. Oh. Et Benoît Hamelin, qui est le président de l'association Ménilmontant aussi, on peut l'applaudir. Je voulais vous dire aussi que beaucoup des chanteurs que vous avez entendus ce soir ont créé des albums et que ces albums, vous pouvez les trouver juste là, avant de sortir à la passerelle. Il faut les acheter, hein. Un grand merci d'ailleurs à Daniel Zanzara de la Passerelle. Alors c'est un disque Air Café engagé dans le soutien à la chanson et à la musique indépendante, 52 rue Popincourt. Voilà, c'est Daniel Zanzara. Et voilà, il faut l'encourager, il faut aller dans son lieu. La prochaine date de l'association Ménilmontant se passera rue des Maronites, au tout début de la rue des Maronites. À quel numéro ? Au 6, voilà. Tous les 21 janvier, nous faisons une tête de veau à l'os avec une couronne de galette des rois pour fêter la décapitation de Louis XVI. Voilà.
Et le 30 décembre aussi, évidemment, la fête des anciens. Toujours à la même adresse, ouais. En général, c'est un poteau-feu. Facile à mâcher. Je vous propose qu'on laisse place à la musique. Et juste un mot pour remercier le parrain Christian Olivier. Je vous demande de faire un énorme applause pour Christian Olivier qui a répondu tout de suite pour être le parrain de l'association. Et je voulais remercier aussi tous les artistes qui sont venus bénévolement. Il y a leur CD qui est à côté. Je voulais remercier tous les artistes, je ne vais pas les citer, mais qui ont répondu favorablement et qui ont fait qu'on a passé une super bonne soirée. Et je vous demande d'aider puis de soutenir la musique vivante et d'aller voir les artistes en concert. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et on laisse la place au maître. On est en train de parler de tête de veau là en ce moment. Donc, voilà. Merci, 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 merci. Merci. Une chanson connue maintenant, alors. Attendez, il y a la tête de veau là qui a oublié de dire un truc. Je voulais dire à tous les catareux, à tous les pétomanes, à tous les ronfleurs qu'il y avait ici ce soir, que vous avez été enregistrés. Eh oui, en direct, rien ne nous échappe par Radio Libertaire. Merci pour eux, vraiment. Et TV debout, allez, c'est bon, on chante, allez, on chante. Sans faire exprès, et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Les cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jase dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'arche qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. Oh, cet extra,
C'est extra. C'est extra. C'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tanguait, qui se tait. C'est extra, les body blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tanguait vient mourir. C'est qui? C'est qui? Une fille qui tanguait vient mourir. C'est qui? Alors Léo. Et Léo, il alors, est où là? Bah c'est comment? C'est lui ou quoi? Alors c'est comment Léo? Bah c'est extra. Ouais, c'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Allez la belle villoise, oh! C'est extra, c'est extra, ouah, c'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Merci à vous. Allez. Ça va, la belle villoise ? Hey, ouais. Et voici le retour de Delphine. C'est une chanson d'actualité maintenant. Chanson d'actualité qui dure depuis de nombreuses années, mais qui revient sans arrêt. Hein, donc, faut toujours le redire quand même, quoi. Et expulsez-moi! Je suis un sans-papier. Je suis un ouvrier. Expulsez-moi! Je suis comme le vent. Expulsez-moi. J'ai la rage aux dents. Expulsez-moi. Je parle tout haut. Expulsez-moi. Je siffle faux. Expulsez-moi. Il paraît que chez toi. Expulsez-moi. Ouverts sont les bras. Expulsez-moi. Moins on est mieux. Je me porte. Ah, ne frappe pas à ma porte. Ah, moins on est mieux. Je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Je suis un oublié. Expulsez-moi. Je ne fais que passer. Expulsez-moi. Sur mon tapis volant. Expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans. Expulsez-moi. Quand les bouches du métro. Expulsez-moi. Vomissent des troupeaux. Expulsez-moi. Il était une fois. Expulsez-moi. Chez toi, c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. Ah, ne frappe pas à ma porte. Ah, moins on est mieux, je me porte. Ah, ne frappe pas à ma porte.
ici, hey. Expulsez-moi. Et puisque c'est comme ça, je t'invite chez toi. Quand il y aura plus de toi, je m'expulsera. Expulsez-moi. 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 Mais mieux je me porte. Ne frappe pas à ma porte. À moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Yahoochi, expulsez-moi. Oh, Yaman Yamé, Yaman Yaman Yamé, Yaman Yaman Yamé, Yaman 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 Yaman. Comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Je suis Hakim, expulsez-moi. Je suis Christian, expulsez-moi. Je suis Serge, expulsez-moi. Je suis Edith, expulsez-moi. Je suis Caro, expulsez-moi. Je suis la Bellevilloise, expulsez-moi. Je suis Rachida, expulsez-moi. Je suis Lavo. Expulsez-moi. 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 Je suis un sans-papier. Expulsez-moi. Je suis un ouvrier. Expulsez-moi. Je suis comme le vent. Expulsez-moi. J'ai la rage aux dents. Expulsez-moi. Je suis la Bellevilloise. Expulsez-moi. Je suis Paris. Expulsez-moi. Je suis Rachida. Expulsez-moi. Je suis Christian Olivier. Expulsez-moi. Oh. Expulsez-moi. Oh. Expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Mais moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Expulsez-moi. 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 Un grand merci à toute l'équipe du festival. Bravo. À l'année prochaine. Salut Ménilmontant, à bientôt. Expulsez-moi. Hey. Expulsez-moi. Expulsez-moi.
Merci à vous, bonne soirée, salut. Merci.